Hey, so there he is, huh? Hey. So listen, Tony, I know you did a good thing for us, and I know you've been lying low for a long time. So I want you to take it easy for a while, huh? Vincenzo will look after you. You need some money? Ask him. You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son done got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. I mean, I've done a lot for this family. And now you're expecting me to take orders from this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know what you did, and no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is, quite frankly, out of order. Capisce? I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you, Lucky? Of course, boss. Anything you say. Tell you what, we can go there now. I got you a nice little place to stay, Tony. It's got you written all over it. We'll head there first. You're all heart. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est après une longue introduction qu'on se retrouve pour jouer à Grand Theft Auto Liberty City Story sur PSP. Et tout d'abord, pour commencer par rapport à ce jeu, je veux dire sincèrement, ça a été une tuerie quand c'est sorti ce jeu, puisque la PSP était à peine sortie, que quelques mois après, on avait même pas, hein, quelques mois après, je crois qu'il était déjà présent pour Noël, on avait GTA Liberty City Story. Et je peux vous dire que jouer à GTA à l'époque, je crois que c'était 2005, sur une console portable, alors certes les graphismes sont pas énormes, mais bon, on est quand même fidèle à du GTA 3 de l'époque, c'était assez énorme, vraiment vraiment trop bien. Et c'est un plaisir franchement de retrouver ce jeu, parce que justement à l'époque j'avais la PSP, j'avais ce jeu. Et dites-vous bien que à l'époque c'était trop trop bien de pouvoir jouer à ça. Alors on est sur... on est sur émulateur, donc évidemment les chargements sont un peu plus courts, mais il faut se dire que un gros défaut déjà à l'époque de la PSP, c'était les chargements qui étaient très très longs, les UMD qui étaient certes pratiques parce qu'ils contenaient beaucoup de place, pratiques faut le dire vite parce qu'ils faisaient aussi beaucoup de bruit, puis ils étaient consommateurs par rapport à un jeu qu'on mettait sur la mémoire stick. Et ben voilà, donc les chargements étaient un petit peu longs. Mais regardez-moi ça quand même, quel plaisir de retrouver la vie de Liberty City environ 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard par rapport à GTA 3. Quelques effets supplémentaires pour voir qu'il y a quelques effets de transparence, enfin de reflets sur les bagnoles qui n'étaient pas avant sur le Grand Theft Auto 3. On va comparer de toute façon à Grand Theft Auto 3 puisque on n'est pas à Vice City. Donc c'est parti. Je vous fais pas de détails sur l'histoire. En revanche, ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'on va enlever la radio. On a quelques explications, ce qui est bien, ça me permet pour vous de lire en même temps. J'ai pas besoin de vous expliquer GTA quand même, j'espère. Voilà, GTA, le grand avantage, c'est une ville un petit peu ouverte, on fait un petit peu ce que l'on veut. Évidemment, on a des missions, une histoire à suivre, mais on peut faire ce que l'on veut en dehors des missions. Et donc, regardez-moi ça à l'époque. Alors, je précise que le jeu n'a pas été upscalé, rien du tout, hein, mais voilà, on est vraiment... comme vous aurez quasiment pu l'avoir sur une PSP à l'époque. Alors le jeu est fluide aussi, on a reçu le coup de force d'avoir un jeu fluide. Et comme je dis, c'est au début de vie de la console, donc franchement ils ont fait un truc énorme. Et alors si vous avez suivi GTA 3 à l'époque, on va commencer directement à notre première planque, attention aux flics. Et vous rendez compte, c'est pas au même endroit déjà. Par contre on commence toujours dans la première partie de la ville et c'est toujours cette même partie. C'est ça, Tony, home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is supposed to be my home? Oh, I think it's very you. Now you're disrespecting old Vincenzo. Now, tough guy, get your ass upstairs and go put on some decent clothes. I don't got all day, so move. Ah là, déjà ils sont pas contents. Alors, si vous vous souvenez, la première piole qu'on avait, c'était carrément un truc par terre, façon SDF, avec un lit au sol. Vous allez voir là, quand même, on a un petit peu augmenté en gamme. Alors, c'est pas le même personnage, hein, bien sûr. Et ils expliquent que voilà, là, on peut sauvegarder. Alors c'est plus la petite disquette hein, comme on avait dans GTA Vice City, c'est vraiment un CD, on est quand même
dans un monde un peu plus moderne, même si ça a été déjà les, ça existait déjà les CD, je crois, à l'époque de Vice City, où ça venait à peine d'arriver, je sais plus trop. C'est un petit peu tangent, hein, la date de GTA Vice City. On va changer nos fringues. Voilà. On récupère ça. Et on peut voir que, ben, regardez par la fenêtre, on peut voir dehors, ben, un peu comme dans, ben, dans Vice City à nouveau. Donc petit détail sympa. Ouais, quand même, c'est plutôt bien fait, hein. Franchement. À l'époque, vous avez la DS qui venait de sortir en 2004, juste un petit peu avant. La PSP à côté, c'était tellement plus beau que les jeux de DS. Alors, je dis pas que les jeux étaient mieux, loin de là, évidemment. Les jeux de 3DS étaient... Enfin, de DS, pardon. Étaient très bien, elle a eu alors plus de succès que la PSP. Mais la PSP, mine de rien, ça s'est pas trop mal sorti. Hein. Toutes les concurrentes de la Nintendo, Game Boy, Game Boy, etc. ont galéré. Et ben bah, la PSP, ça en est quand même pas mal sorti. Ah, évidemment, on peut garer toujours une voiture là, ce que nous allons pas faire, parce que nous allons ramener monsieur chez lui. Et en plus, il est très très sympa, hein, comme vous pouvez l'entendre. Même Senzo a atteint un ticket. Alors, on peut faire ce qu'on veut, hein, si je veux, je peux le tuer. Non, je peux pas le tuer quand même, pas déconner. Mais je peux rentrer dans les bagnoles. Alors, on utilise le stick pour tourner, le petit stick où est en bas à droite, pardon, de la console. Mais on peut utiliser les flèches aussi pour avoir d'autres options. Je vous avoue qu'à l'époque, le stick de la PSP, je le trouvais mais tellement mauvais, ce stick. Franchement, c'est un gros défaut de la PSP. Celui de PS Vita, par exemple, est beaucoup mieux. Et quand on a dû jouer avec ça, bah, c'était pas pratique, surtout pour tourner. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a quelques nouveautés, évidemment, dans ce GTA. On peut toujours pas nager, il me semble. Par contre, on a les motos qui sont de, bah, qui sont de retour. Oui, ils sont de retour à Liberty City, mais... Elle était déjà présente à Vice City. Allez, on va aller là-bas, ramener notre supérieur. Les appartements coûtent de l'argent, Tony. Just you remember who pays the bills around here. Me, Daddy Vincenzo over here. So from now on, you work for me. So I better see you back here real soon. Voilà, donc ils sont toujours aussi cool. Mission terminée, 100$, donc c'est bien, on a un petit peu de monnaie. J'ai rien du tout. Alors on va se balader un tout petit peu, histoire de vous montrer un petit peu les choses qui ont changé. Bon après, je ne me souviens plus trop de la ville en tant que telle de GTA 3. Enfin, j'en souviens un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Juste voir si c'est des choses qui ont changé. Bah, par exemple, ce bateau, typiquement, il n'y était pas avant. Voilà, là il n'y était pas. Bon, on va perdre de temps, je vais faire une petite mission. Comme ça, on va voir un petit peu le jeu. On va revenir du coup chez lui. Et on peut voir que la luminosité est différente aussi. Hein. Il y a un petit effet un petit peu de halo, là, c'est un peu particulier. Et ce qui était assez, assez particulier dans le jeu aussi, c'est qu'on avait un effet de flou au loin, parce qu'il n'y a pas d'anti-aliasing sur la console. Et c'était assez pixelisé au niveau du rendu quand même. Deal working on North Chinatown patch. The lazy bastard ain't brought any cash in days. Maybe he needs some encouragement to get off his ass and do some work. Acting like a bitch. He kind of reminds me of you. What are you trying to say? I ain't trying to say nothing. I'm telling you to get over there and make sure this asshole starts bringing in some goddamn money. Alors on a aussi le personnage principal qui parle, qui est aussi différent. Eh ben on va chercher avec la même voiture, hein. Écoutez, on va pas s'embêter. Voilà. Et on va aller le voir. Alors on peut changer de caméra, voilà comme il explique, donc je vais faire select. Donc là on peut se mettre plus proche, on peut se mettre là, on peut se mettre sur les côtés. Par contre on n'a plus la fameuse vue qu'on avait encore dans GTA 3 mais plus après déjà dans Vice City. C'est la vue de dessus, puisque GTA 3 était la suite de GTA 2, GTA 1, qui étaient des jeux en vue de dessus. Et là, on l'a plus. Donc là on va essayer d'aller voir le monsieur qui ne donne plus d'argent, enfin qui ne ramène plus d'argent à la mafia. Je fais doucement mais je peux quand même... Vraiment on peut traverser, c'est mieux. On peut les traverser, hein. Voilà, il y a toujours ce bug. Je sais pas pourquoi ils ont fait des arbres. Et là il pleut. Je sais pas pourquoi ils ont fait ces arbres. Ah, on a la police, voilà, qui est toujours au même endroit. Concrètement, ils ont repris la map de GTA 3 avec quelques améliorations graphiques, quelques points refaits parce qu'on n'est pas à la même période que GTA 3. Mais voilà, il y a quelques différences, mais beaucoup de choses qui se ressemblent même énormément. Donc on va aller là-bas. On va aller voir, on va aller ici. Voilà. On va se garer. So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch.
Hey man, I'm no chicken shit. I've been ill as all. I'll go back to work tomorrow, or maybe the day after. Oh, I think you're gonna work today, like it or not. Pas très sympa quand même. Hein. Conduis le dealer au boulot. Bon bah vas-y, hein. On va au boulot. C'est parti. Évidemment, je ne spoil rien. Je vous laisserai faire le jeu si vous avez envie de le faire, évidemment. Si vous aimez GTA, ça reste un excellent GTA. Bah, je vous dis, le vrai particularité de ce jeu, c'est quand même le tour de force de faire tourner ça sur une console, console portable. Bon, la distance d'affichage est pas très élevée, on voit les voitures un peu loin, elles apparaissent un petit peu... Vous voyez qu'au fond, voilà, les textures se chargent. On a quand même un certain clipping, pas clipping 3D, mais un clipping texture, mute mapping qui est très proche. Je veux dire, à l'époque, c'était extraordinaire, quoi, mais bon. Allez, c'est parti. Et voilà, on a réussi, simplement. Donc on l'a forcé à aller au boulot, hein, même s'il est malade, tant pis, ça se trouve le mec qui va se suicider parce qu'il en a marre de bosser, mais bon. C'est la mafia, hein. La mafia n'a pas trop d'état d'âme. Fait que ça pour l'argent. On va aller chercher. Alors souvenez-vous ici, on va revenir un peu. Je vais juste faire un petit tour là. Il y avait des clodos au fond d'un tunnel. Ben, est-ce qu'ils y sont toujours? Eh ben non, il n'y a rien. Et vous pouvez remarquer qu'il y a aussi un petit port avec peut-être des bateaux aussi. Que l'on ne peut pas prendre évidemment parce qu'on est bloqué dans la première île pour le moment. On va aller dans la seconde. Je crois qu'il y a un glitch toujours pour pouvoir aller dans la deuxième île. Alors je sais que c'était le cas dans le 3 mais je sais pas si c'est toujours le cas dans cette version là. A savoir aussi qu'ils ont fait une Vice City Story aussi sur la PSP. Puis aussi la version Liberty Story et Vice City Story étaient sorties sur console, hein, sur la PlayStation 2. Qui était quand même... pas mal, même si bon, ça commence. On sentait quand même un petit peu le. Il y en avait trop de GTA en fait, hein, sur console. Tout le monde attendait plutôt les GTA 4, GTA 5, donc le Sandra était quand même un ton au-dessus. En termes de possibilités, donc c'est des jeux qui ont pas trop marché, même s'ils ont quand même été vendus correctement, mais beaucoup moins que les autres GTA. Et donc voilà, là on fait Liberty Story, mais il y a aussi la version Vice City Story. Vinny. Crying out loud, Tony! Don't I get any peace? I'm already all blocked up. Last thing I need is you on my case. But is you still here? You know, I'm still not seeing any money coming in from that dealer. You know why? Enlighten me. Because he's dead, idiot. Some chump whacked him. Hey, what up? Docos have started dealing. And on Leone turf, too. You gonna accept that, Tony? I want you to get over to Chinatown. All right, boss. I'm on it. Oh. God, why is there never any goddamn paper in here? Donc là, ben voilà, ce que je vous disais, hein, finalement, notre ami d'une journée s'est fait buter, donc on va aller voir à Chinatown. Il y avait une petite mission à Chinatown, d'ailleurs je crois que c'était la deuxième ou troisième mission à l'époque, aller buter un mec dans le Chinatown dans GTA 3. Et ben là c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est un petit peu différent quand même, mais c'est un peu le même site. De toute façon, GTA est toujours plus ou moins pareil, hein, c'est toujours le même principe. Voilà, après c'est, tout se déroule dans le... Comment est contée l'histoire, quel protagoniste on incarne, etc. Donc évidemment, je vais mettre de la minimap en bas, hein, qui n'a pas bougé, avec le petit point jaune. Alors par contre, faut vite que... J'ai oublié ça, mais il faut vraiment que j'enlève la radio. Sinon on va se faire encore striker. Et on va descendre le dealer parce que il m'a pas dit quelle heure il était. Allez, R1 pour maintenir. On récupère le fric sur lui. Alors il y en a qui vont arriver, regardez. Un paquet sur 10. Alors c'est pas des paquets de rogue. Hein. C'est vraiment des paquets. C'est des mains. Enfin, j'ai pas trop compris ce que c'était exactement, je m'en souviens plus trop. Alors, le gros problème. Alors, je sais pas si je prends une voiture, mais j'ai envie de prendre une bagnole pour l'écraser. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est de buter en les écrasant. Regardez, hop. L'avantage, c'est qu'on peut faire un peu l'émission comme on veut.
city, nobody else. Voilà. Je suis pas obligé d'aller taper à la main, je peux lui le rentrer dedans. Alors je vais enlever le... Radio éteinte, voilà. J'aime ce channel radio, la radio éteinte c'est vraiment le mieux. Et voilà, c'est terminé, on les a écrasés. Et du coup, 500$ dans la poche. Alors évidemment, l'argent nous permet de racheter des armes. Je sais plus s'il y a par contre un principe d'appartement, il me semble que non, hein, c'est pas encore là. Par contre dans Vice City Story c'est le cas, comme dans Vice City Classique d'ailleurs. On va aller voir notre chef pour faire la mission suivante. Alors évidemment je peux sauvegarder, je vous ai pas trop monté le menu, mais on a donc la carte, vous pouvez voir qu'on est bloqué sur l'île de droite, après on débloquera l'île du milieu et enfin la troisième île. On a le briefing, voilà, ça permet de voir les derniers dialogues. On peut sauvegarder la partie. Donc, par exemple, on va faire... non, c'est retour. Mais je crois que ça se sauvegarde automatiquement, en fait. Ah, maintenant, je suis bête pour sauvegarder, il faut aller à la maison, donc on n'aura pas pu sauvegarder. On a les commandes, voilà, l'affichage. Ouais, on a la luminosité, on peut l'augmenter un peu. Mode de radar, les sous-titres, on peut l'activer. Bon, voilà, pas grand-chose, mais on a quelques réglages. Et on a le multijoueur aussi. On pouvait jouer en WLAN, donc en fait en Wi-Fi. Il y avait aussi d'autres jeux sur PSP où on pouvait jouer côte à côte avec le mode ad hoc. Pas confondre avec l'habitaine ad hoc, hein, mais ad hoc. Et ça permettait de jouer à certains jeux, sur certains mini-jeux. Parfois, c'était des jeux assez courts. Enfin, c'était des. C'était pas... Là, par exemple, vous n'allez pas faire un mode coopératif dans GTA, hein, faut pas déconner. Mais voilà, vous aurez droit à certains mini-jeux. Allez, c'est parti! Non, je me suis trompé. Si je commence à tourner avec le changement de radio, ça va pas le faire. On va sortir. Et on va prendre la mission suivante. Hey, remember JD O'Toole? Difficult to forget. He's currently running a Sindaco control titty bar. I mean, gentlemen's club. The interesting thing is, he wants to be a Leone now. Fuck him, he made his choice. Hello, brain cell? Jeez, Tony, Sal said you was dumb muscle, but I didn't think anyone was that dumb. We can use JD to get the drop on Sindaco's plans. He's gonna be up on the inside. There's just one thing. He's being sat on by some Sindaco ape. I want you to remove this little obstacle and get JD on our side. Capiche? On est bien entre italiens. Alors c'est parti, on va à Munition pour récupérer une arme. On va récupérer... Oh bah c'est bon. Oh là là. J'ai failli me faire tellement rentrer dedans. Allez c'est parti. Hop, attention. Alors la courma a un petit peu évolué. La courma, je parle de la voiture bien entendu. On peut refermer la porte, voilà toujours. On va maintenant carré un petit peu. Et à savoir que normalement, quand on maintient carré pour la porte, c'est assez utile. C'est pas juste un effet esthétique, c'est que si on se fait détirer dessus sur le côté, bah évidemment on prend moins de balles. Il y a moins de chances de prendre des balles. Bah, ce petit raccourci est toujours présent, sauf qu'il y avait des caisses avant. On va aller là. Et là il pleut d'un coup. Ok, on va aller à l'intérieur. On va récupérer des armes. Voilà. Donc. Touche gauche, touche droite, ok. X pour acheter l'arme, c'était le cache nécessaire, etc. Donc on a un pistolet par exemple, on a un mitrailleur mais le stock est épuisé, on a que deux armes pour le moment. Mais là c'est Vincenzo qui régale, donc en gros bah, on va pas devoir le payer, c'est parfait. Ah par contre là pour prendre des munitions il va falloir que je paye, bon. Ça va. On va au chantier. Et on va aller tuer 2-3 personnes à mon avis. Les armes elles servent pas à jouer dans ce jeu. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut toujours contrôler un petit peu la voiture quand on est dans un saut. Voilà donc je suis censé aller là. Ok. C'est parti. Hey, get out of here. Should've gone away. Alors évidemment, il a des acolytes un peu pour le défendre hein, jusque là. Hey,
Par contre, il bouge vraiment pas. Alors, on a pris son téléphone portable, je sais pas ce qu'il va dire. Tony, oh, you just gave me some great snuff footage. JD, you saw that? You're filming me? I was just in for my own use. I can't wait till we're on the same team. Don't get too excited. You still owe me money. Take that Sindaco chump's car's deposit, huh? Just respray it so no one recognizes it. I'll take care of his body. Ok, normal, le mec qui nous a filmé, tout va bien. Bon, bah, c'est parti. Donc là, bah, traditionnel pay and spray, c'est-à-dire en gros, on va récupérer la bagnole et on va devoir la... Elle est pas mal, la voiture, d'ailleurs. On joue un petit peu dans Driver. Je regarde un truc aussi, derrière. Oh, regarde, on a une petite décapotable aussi. Cette fois c'est cadeau, voilà, donc on va la repeindre et ça nous permet évidemment de semer les flics aussi dans le jeu. Et là ouais, faut faire gaffe. Bon, j'ai gagné une bagnole mais ça ne servira un peu à rien. Et on a une nouvelle personne à qui travailler, donc on va aller le voir cette fois-ci, on va pas aller voir forcément le premier employeur, on va aller voir le nouveau. Attention aux flics, voilà, si on les touche on risque d'avoir une étoile. On va voir que je fais très attention aux bagnoles. Et souvenez-vous de cet endroit. C'est un endroit où on allait à l'époque prendre des missions aussi. I ain't got no work for no Leone. Hey, Tony, come back when you're less conspicuous. Ouais, donc en gros, il va falloir qu'on change de vêtements. Ok. Donc on va aller à la maison. Donc la maison, c'est le petit CD. L'avantage pour trouver la maison, c'est qu'on sait que c'est dans les hauteurs, donc il faut toujours aller, voilà, au point les plus hauts. D'ailleurs, j'en profite pour mettre la voiture dans le garage. Voilà, comme ça, elle sera sauvegardée. J'ai oublié d'enlever la musique, encore une fois. Ah, mais ami, ce qu'on peut faire, c'est ça. Station de radio. Voilà, on peut mettre, si on veut rien du tout, nos radios, normalement, on va pas, bon c'est pas grave. Ah oui, je vous en parlais, il y a la bande son perso, et ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait mettre des musiques sur notre console, avec le humoristique par exemple, ou des fichiers audio, et les utiliser bah, pour écouter notre propre musique dans GTA, donc ça c'était vraiment bien. On pouvait le faire aussi dans la version PC à l'époque, mais c'était la première version console qui permettait ce genre de choses. Voilà, on va pas s'embêter. On va mettre autour, comme ça on n'aura plus besoin de changer à chaque fois la radio. Je vais justement changer de fringue. Voilà, on va passer en mode pouilleux. J'ai quoi comme tenue? Décontracté, costume lion. Regardez la costume décontracté. Alors je peux récupérer de la vie ici aussi, ça c'est parfait. Et on va sauvegarder la partie. Donc nouvelle donnée, voilà. Sauvegarde terminée, normalement c'est un peu plus long. Sur la console. Allez, c'est parti. On a combien? 26 minutes. Bonsoir, on a le temps de faire encore au moins une mission ou deux. Je récupère la voiture, je la garde. Hein. Je vais essayer d'en prendre une autre. Et oui, le temps a changé. Et comme on passe de 6 heures, bah, quasiment plus de nuit. On va prendre celle-là. Alors, allez, vous allez voir, c'est une voiture de la mafia. Donc, en général, eux, ils sont pas contents. Quand on leur pique une bagnole, ils me tirent dessus. Voilà, hop, d'un coup. Aïe. Alors il va falloir que je m'esquive vite parce que j'ai une toile de flic. Et vous avez vu, il a sorti son flingue, hein, donc dès qu'on leur pique les bagnoles, ils se laissent pas faire. Par contre j'adore cette voiture à l'époque quand j'étais gamin, je crois que c'était la voiture préférée. La voiture de la mafia, c'était vraiment... Ah, c'est la voiture de sport quoi. Alors il y avait aussi une voiture qui était dans un... qui était cachée dans une vitrine, c'était la fameuse Banshee, une décapotable. Mais elle est plus présente dans ce jeu, enfin en tout cas elle est plus à cet endroit là. Par contre, je dois faire le tour hein, pour aller chercher le point J. Et pas le point G. Qu'est-ce qu'on se marre. Allez, retour arrière, je me suis trompé. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde dans la rue. Hein, ils ont pas trop réduit le nombre par rapport à la sans console.
A savoir que par exemple dans GTA 3, il y a plus de gens visibles dans les rues que dans GTA Vice City. Par contre là, il faut vraiment que j'en fasse le tour. Je sais plus par où on rentre chez lui, c'est trop bizarre. Voilà, c'était là. On reconnaît avec le boîte de nuit à côté là. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller dans le couloir. Bonne voyeur. Alors, je sais pas ce que c'est, bonne voyeur, ça veut rien dire. Bonne, normalement c'est l'os, c'est voyeur, bon voyeur, mais. Hey! JD, get out of here! J'aime la discrétion. Hey JD, you little sicko, get the fuck out of here before I come in here and break your legs! I'm coming! But not like that! Oh, hey, Tony, que pasa, huh? Give us a hug. Whoa, you're sticky. Oh, it's the strip of stuff they put all over me, you know, they like it, you know. They put it anywhere, and how you doing? What the fuck are you wearing? What? This? Ah, je me souviens plus de ça, sinon avant j'en souvenais plus, et c'est surprenant. You can watch if you... Oh, you're sick. You better shut the fuck up right now. Okay, relax, Tony. Where's my money? See, that's the problem. We are getting ripped off. All right, now you wait here. I gotta go change out of this thing, you know. Hey, Raven! Time to put away the double ender. C'est vraiment des personnages tarés, hein, souvent dans les GTA. Hey, Tony. Ah, il a fait vite. Let's you and me go for a drive. On dirait le mec de. On dirait le mec de. Hey, de San Andreas, là. Okay. Avec un chapeau en moins et la tenue en verte en moins. Allez, remonte à la canette de JD. Je suis censé faire quoi là? Je suis censé aller où là? Ok. Il y en a une là. Aïe, il y en a une là. Hey, I recognize that girl. Hi JD, I was just about to bring this to you, honest. Bon, sa voiture, on s'en fout un peu, hein, désolé, mais. Alors, je sais plus comment on klaxonne. Jeez, don't you trust me no more, JD? Ah, j'ai fait peur au client, bon, c'est pas grave. Tant pis. Il va falloir que j'en retrouve une autre. She's one of my girls. Ok, on va essayer de se mettre à côté. Ok, donc on doit un peu moins de cash, on va continuer. Je pense qu'il doit y en avoir une là. Pour l'instant, je fais le tour, on va pas embêter. Je fais n'importe quoi en plus avec le camion. Bon, je pense qu'on n'est pas dans le bon quartier. On va. Ok, on va s'arrêter là. Oh, je lui ai démoli son. Hey! Are you checking up on us girls, JD? Ok, faut vraiment que je me brouille. Hein. On va passer là. Alors, est-ce qu'elle travaille sous la pluie? That girl right there! Ok, on va remonter. Hey, that pimp is ripping off one of my girls. Faut que je bute le mec. Get the money back, Tony. Je récupère le fric.
J'ai vu une fille juste à côté à aller chercher en plus. On peut remonter et on a terminé. Alors on va retourner au club. Et voilà. Nice work, Tony. Vu les effets de lumière quand même, ils sont quand même plutôt bien faits. Dans la voiture, petit effet violet. Donc on a fini la mission, je propose qu'on retourne voir le premier employeur. Enfin employeur. Hein, façon de parler. Et on va aller voir la prochaine mission. Puis je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, de toute façon je vous ai un petit peu, pas tout dit, loin de là, mais une grande partie. Après bah ça sera l'histoire à suivre. Attention, oh là, oh, j'ai un... Je sais qu'il y avait un énorme saut normalement ici. Attendez, on va s'amuser un peu. Ok, je me suis totalement loupé. Ouais, normalement il y avait un énorme saut. Les sauts rapportent un petit peu d'argent toujours. On peut faire quelques sauts différents endroits de la ville. Allez, par exemple, il y a un saut énorme à faire. On va peut-être tenter de le faire, attendez. Je sais que j'ai pas forcément le camion pour ça, mais on va essayer. Alors évidemment toujours, hein, si la voiture se retourne, eh ben on se fait écraser, enfin la voiture prend feu. Là on est dans la colonne de bus, donc c'est pas ici. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les conduire les bus? On peut les conduire, je m'en souviens pas. Eh oui, on peut! On peut venir en bus, alors évidemment tant que ça klaxonne, bah, je me fais choper par les flics, donc je ne bouge pas. Ah oui, normalement ça va s'arrêter. Du coup, je vais pouvoir. Voilà, je vais pouvoir sortir. Et maintenant, les flics n'y verront que du feu. Oh mon dieu, oh le vol qu'elle a fait. Eh mec, regarde, j'ai changé de boulot. Je suis maintenant chauffeur de bus. Allez, c'est parti. Smash and grab. Prochaine mission. It's you. Yeah, how about that? It's me. What do you know? I'll tell you what I know, tough guy. Some of our boys have screwed up a simple, no-brain fucking job. Ah, c'est embêtant. Lousy bastards can't even pull off a simple raid. Maron, why am I surrounded by so many fucking idiots? Oh, I don't know. Birds of a feather? Oh, you're a fucking comedian. Well, laugh this off, wise guy. You're the one who's gonna clean this shit up for me. Now get over there and drag those morons back here. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sent que le héros commence légèrement un petit peu à se libérer. Une caisse à 4 places, mais je t'en trouvais une, moi. Voilà, un bus. On va tenter la mission en bus, hein. Allez, comme ça, on aura fait quelque chose d'un peu original. Bah, le problème c'est qu'on a déjà les flics au cul. Faut vraiment que je me grouille. Hein. Par contre, c'est pas une voiture très rapide. Enfin, en même temps, c'est un camion hein, quasiment. Là, on va pouvoir prendre le raccourci. Donc là, c'est mission en temps limité, puisqu'on voit que la vie d'Eléon est en train de baisser. Allez les mecs, faut y aller là. Ah, mais c'est impossible en fait. Et ouais, il y a un homme du gang qui est mort. Et regardez, on a 3 étoiles. Ça veut dire qu'on va se faire harceler en plus par un hélicoptère. Je sais pas trop comment on va faire. Il faudrait que j'aille au paint spray ou que je trouve une étoile pour enlever. Regardez, ils envoient des herses maintenant. Bon, c'est un échec, hein, vous l'aurez compris. Jusque là, rien de neuf. Et là, je suis complètement mort, en fait. Hein. Il va falloir que j'aille chercher une étoile de flic. Je crois qu'il y en a une là. Ouais, il y en a une là. Donc on va pouvoir enlever l'hélico, vous allez voir. Hop là, 2 étoiles maintenant. Et il m'a crevé les pneus. Par contre, maintenant, il va falloir que j'aille au pay and spray. Mais je vois pas de pay and spray, en fait, ici.
je sais pas trop comment on va s'en sortir. Je sais pas comment on va faire. On va aller chercher un PN spray. On va pas trop bien chercher une étoile, mais je sais pas où. Ah, il y en a une là. Voilà, on va aller là, on va aller là, on va chercher l'étoile. Et voilà, il n'y en a plus qu'une. Et du coup, on va pouvoir se barrer et je pense qu'on en aura plus bientôt. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. On va essayer de le faire un peu plus furtif qu'avec le camion quand même. Alors j'attire votre attention, vous l'entendez peut-être pas, mais sur les effets... Les effets audio du jeu, sincèrement, c'est plutôt bien fait. Enfin, déjà, on entend le bruit de la mer. Il y a pas mal d'effets sonores dans le jeu, et même sur le PSP, ils ont gardé énormément de... effets. On prendra la voiture du patron, comme ça on aura 4 places. Donc là, on va passer directement. Vous avez vu, des fois, il y a des bugs de... Il y a des bugs de caméra. Ah, trouver une caisse à 4 places, bah, c'est fait. Allez, c'est parti. L'avantage, c'est que je vais pouvoir aller un peu plus vite. Par contre, faut vraiment pas que je casse la voiture parce que là, les flics vont nous embêter. Logiquement, si je suis intelligent, je passe par là. Alors il dit fonce Tony, mais je sais pas du tout où on va pouvoir aller. Ouais, c'est bon. Ok, donc maintenant il faut que je sème les flics. Alors fais gaffe qu'ils ont des RS, même 2 étoiles ils les mettent. Bah oui, on a 3 étoiles maintenant, effectivement. Alors j'ai le PN spray qui est mentionné sur la piste, donc il va falloir que j'y aille. Regardez les flics comme ils sont beaucoup plus forts aussi que dans les autres versions. Ils vont vraiment chercher à nous emmerder. Allez, on va rentrer dedans. Donc là, on va faire attention parce qu'il y a des flics partout. Regardez, il y a le flic juste derrière. Ah, je fais doucement, en reculant quand même pour pas se prendre une autre. Se prendre une étoile. Bon, il faut attendre un petit peu. Oh, on a les flics un peu partout. Hein. J'ai même encore ma bagnole là qui est restée. Vous avez vu quand même, c'est pas mal, hein, il y a quand même d'objets. Alors en général, les objets dans GTA disparaissent assez rapidement quand on est un peu loin. Et ben là, non, la voiture elle est restée. Je parle de la voiture de Mafia qui était sur la partie droite. Ok, donc on va pouvoir les ramener. Je sais qu'en sens inverse, je prends des risques, mais bon. On va aller les ramener et puis on se laissera là-dessus, je pense. C'est une mission plutôt sympa. L'antache, maintenant je suis tranquille, hein. Je prends le temps que je veux, je vais mettre 2 heures pour les ramener si je veux, tant qu'ils ne meurent pas, on est bon. Donc on va aller là, et on va les ramener. Voilà, et on a gagné 1000$, donc du coup on a plus d'argent. Voilà, bah écoutez, si on continue l'émission, de toute façon ce qui va se passer, bon évidemment dans l'aventure, bah, c'est qu'on va débloquer la prochaine île un peu plus tard. Et bah voilà, donc l'histoire je ne vous la conte pas bien entendu. Donc c'était GTA Liberty City Story sur PSP, un jeu que je recommande bien évidemment. Bon, il a pas mal vieilli quand même,
Mais si vous avez une PSP ou cherchez un jeu sur lequel jouer, franchement n'hésitez pas. Même Vice History qui est intéressant, on le fera aussi d'ailleurs. Voilà, donc plutôt une exploit technique, très bon jeu évidemment. Et en plus c'était un jeu qui permettait à l'époque de souvenir, il y avait un exploit bug avec ce jeu et ça permettait justement de pouvoir craquer la console pour avoir un firmware custom et donc après pouvoir lire les jeux craqués. C'est aussi un petit tag que j'avais oublié de dire, mais c'est voilà, ça faisait partie des jeux intéressants comme le jeu Everybody Golf qui servait à faire les e-boots, les jeux compressés pour pouvoir mettre les jeux de Play 1 sur la console, sur la PSP. Ben sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.